Qu'avez-vous fait à la belle demoiselle? Oh. Quel désastre! Cet attentat est affreux, scandaleux! Arrêtez ça tout de suite! Quoi? C'est quoi ça? Arrêtez de retenir votre respiration! Ta gueule! Oui, vous n'avez pas envisagé la possibilité que cet homme soit mort. Mort? Tout à fait, monsieur, mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas de criminel s'est tiré en faisant semblant d'être mort. Cette équipe m'avait l'air fortuite. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. De toute évidence, le tueur le connaissait. Combien de fois dois-je vous le rappeler de ne pas faire des conclusions prématurées? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort. C'est une supposition logique. Un grand détective ne fait aucune supposition. Prenez Maigret, par exemple. Mais... Ou Columbo. C'est un personnage de roman. Il n'existe plus de Tintin, de Poirot, ou... Je sais ce pas n'est quoi. Pas pareil, Moé. Eux, ce sont des Belges. De toute façon, même vous, vous n'en tirez rien à mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa position, si vous y arrivez. Je préfère le faire, ça vous dérange pas? Mademoiselle. Moi, je la prendrai dans toutes Service les positions. National. Je ne pense pas qu'elle soit en état d'être interrogée, monsieur. Il semblerait qu'elle ait bu, monsieur. C'est ce que je pensais. Nous sommes tombés dans un temple d'Ivis. Laissez-moi faire, inspecteur. Les poivrots, je connais ça. Ouais, j'en doute pas, t'es qu'un gros poivreau. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous voulez? Passe sur la banquette, s'il te plaît. Gendarmerie nationale. Alors, je vais pas vous poser quelques questions. Je voudrais ton adresse. Ton prénom, s'il te plaît. Je m'appelle George Tobart, je viens de Californie. Adresse exacte. Si, si, et qu'est-ce que vous êtes fait à Paris, monsieur Tobart? Je suis venu trouver la place Pigalle pour niquer un bon coup. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? On m'a dit qu'on pouvait niquer comme on voulait, j'oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion? Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en réchapper. Je m'occuperai de lui. L'inspecteur ne fit aucun commentaire. Vous avez bu la victime dans le café? Oui, j'ai bu la victime. Je l'ai vidée de mon sang. Non, je l'ai pas vue. C'est une supposition. Vous avez remarqué quelque chose dans le café? Du sucre, peut-être? Non, désolé, inspecteur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les témoins sont si peu observateurs. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les inspecteurs sont si peu... La fille va bien, moi. Intelligents. Hein? Elle devrait s'en tirer. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je la si tire? Si elle survit, à sa gueule de bois. Elle dit que le maîtrier était habillé en clown. Un clown de cirque. Et vous ne l'avez pas vu? Je vous l'ai dit, je n'ai rien vu. Bon, très bien. Mais sachez qu'Augustin Rosso découvre toujours la vérité. Vous êtes mon bigorneau, monsieur. Je sais manier l'anguille. Eh bien, ça me paraît suffisant. Ah, si maintenant que vous le dites, il y avait un clown. Je n'y avais pas prêté attention. Je vois que vous n'avez pas laissé vos préjugés en Californie. Pourtant, vous avez une mémoire emportée. Votre... Ah, attends, oula. Mon bigorneau... Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous avez un problème pour de parler? Que voulez-vous dire? Vous savez très bien ce que je veux dire. Poursuivez, monsieur. J'espère que cet incident ne va pas vous bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle, alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Va dans le commissariat, je te mets en prison. On fait pas attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseils, banane. Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Je suis le méchant, je viens vous tuer. Voici ma carte. Hop, voilà. Super, merci. C'est tout, tu peux disposer. Ah, on se tutoie maintenant. Bon, bah salut. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non, mais intérieurement, tu m'étonnes. Hey! Une fois qu'on ouvre une porte, on se glisse à l'intérieur. Ah, ils vont me tuer! Vous parlez sérieusement, monsieur? Je croyais que votre intérêt pour les femmes était seulement psychique et purement spéculatif. Spéculatif? Comment tu connais des mots aussi scientifiques? Bon, je vous laisse. J'ai des études, moi. J'ai autre chose à faire. Pendant que je laissais cette bande d'abrutis, une demoiselle s'arrêtait devant Poussez-vous, moi. Poussez-vous, s'il vous plaît. Moi, je me suis arrêté devant elle. Wow. Très intéressant. La fille était à la fois renfrognée et sûre d'elle. Une expression qui aurait mieux convenu à son voisin de palier.
Le sergent était un homme décharné d'une cinquantaine d'années. Il faisait penser à Pif, de Pif et Hercule. Mm-hmm. Intéressant. La nana continua à prendre des photos. Ce réverbère. Excusez-moi, mademoiselle. Hello, je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain, j'en juge par l'accent. Vous en jugez bien, c'est exact, en vacances à Paris. Quelles vacances, hein? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu? Et pas qu'un peu, j'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge mûr et d'important moyen de cinquantaine? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien, la pute. Eh ouais, il est rentré dans le café juste avant que je le... Et ce n'était pas un parent... Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard. Qu'est-ce que c'est, une botte de nuit? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste? Je suis photographe, reporter et je travaille au Freebook. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat? Vous savez, un témoin oculaire peut-il te dire ce qu'il a enculé? Quelques minutes après l'attentat qui a branlé quelqu'un. Vous savez, du sensationnel, du vécu, du genre de choses qui bougent dans le pantalon. Merci, mais je me contente de l'affaire. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la mallette? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Ce n'est pas vrai encore lui. Elle n'écoutait rien à ce que je disais. Et le clown, vous l'avez déjà rencontré? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. Salope. Vous connaissez un inspecteur de police nommé Rosso? Rosso, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas de le croiser celui-là. On pourrait presque croire que c'est un criminel. Attends, vous avez vu Rosso le fuir? Il est à l'intérieur en train d'essayer d'interroger un témoin à ses pouvoirs psychiques. Quoi? Ce type est trop louche. Yeah! Rosso n'a pas bronché quand je lui ai parlé du clown, comme s'il était déjà au courant. Ça ne m'étonne pas, Rosso est un acide. J'ai vu des cheeseburgers beaucoup plus intéressants que lui. Toi aussi? Mon français n'est pas trop mauvais, tu crois pas? Ouais, mais pas aussi bon que le mien. Oh, la salope! Je trouvais ce journal devant le café. Ce n'est pas un journal, c'est un ramassis d'idioties. Quelqu'un a écrit quelque chose dessus. Salah ad-Din, 13h45. On dirait... un haut-parleur? Qu'en penses-tu? À mon avis, c'est pas un haut-parleur. Voilà, c'est ma réponse. Très bien, c'est ce que je pensais. On ne connaît pas le nom du podrome. Et alors, les courses de chevaux, ça n'intéresse que toi? Moi, non plus. C'est peut-être un indice sur ce sujet de merde. Tu penses que le prochaine victime sera jockey? Elle avait cette lueur ironique dans les yeux et cette bosse au niveau de la poitrine. C'est un peu tiré par les cheveux, tu crois pas? Regarde, l'inspecteur m'a donné sa carte. Je ne savais pas que son prénom était Augustin. Je le sais maintenant. Regarde, l'inspecteur m'a donné sa carte. Je ne savais pas. Regarde, tu es sûr de ne pas vouloir jeter un coup d'œil à ce journal? Absolument sûr. Je ne lis pas cette presse à sensation. Bon, alors, qui était l'homme que vous deviez rencontrer? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il était au téléphone avec moi. Et il a dit qu'il avait une histoire à me raconter. Je me demande à rencontrer... Je suppose que je l'aurais jamais rencontré. Non, à moins d'avoir un danseur Rosso pour les interrogatoires spécifiques. Comment Plantard a-t-il obtenu votre nom? Par mon journal, La Liberté. J'ai écrit un article qui faisait mention des phénomènes inexpliqués. Les affaires étaient quasiment résolues. Il y a une victime de... Et puis un tueur. Et puis Plantard, il m'a dit qu'il croiserait le tourisme. Cette fille ne travaillait pas dans un journal. Pourquoi ne me parlez pas à vous en français? Pourquoi vous l'êtes pas mêlé à ça? Parce que ce clown a failli m'avoir ma peau. Ce n'est pas une raison suffisante. Si, sans doute. Écoutez, je sais que vous donnez mon numéro de téléphone. Ah, quand même, voilà. On y arrive. Faites ça le a été 18. Long. Faites le 18. Ah, le 18. Le 16-1, c'est chez dans la province. Et qu'une chose soit bien claire, c'est purement professionnel. Ça marche, sexuel only. Maintenant, il faut que j'aille développer les photos négatives. Ah, très bien. À plus tard. Au revoir. Au revoir. J'arrive. Elle connaît pas trop mon nom et donc je l'en veux pas beaucoup. Tu veux que j'aille là-bas, la mimine?
Non, je préfère là. J'ai rêvé ou c'est téléporté? Tu préfères Jalin? Je vais là-bas alors. Ouais.